barrage l'eau. Ok, Tiki, c'est la porte rouge, c'est bien. Essaye de raccélérer un peu plus. Là. Deuxième passage, troisième passage, là c'était pas trop mal comme t'as été. Essaye, je sais que ça glisse avec les petits roues, mais essaye là, cherche ta ligne. C'est là que tu dois commencer à accélérer. Là. Dès que t'as les deux roues qui sont calées, Lou, ça commence à venir. Parce que je t'ai insulté, ça a servi. Ouais. Il y a deux fois, juste tu m'as redescendu les 8 effets avec l'embrayage. Ouais, ouais. T'as pas de chance, je vois trop. Juste quand t'es là en fait, quand, ça c'est valable pour tout le monde. Hein. Quand vous êtes assis ici, vous accélérez, votre position elle reste pareille. Une fois que la moto elle sort de l'ornière qu'elle est droite, après on peut commencer à naviguer sur la selle ou se mettre dessus. Ça demande des fois de vouloir accélérer au fur et à mesure que les fesses qui repartent en arrière. Donc on est pas organisé devant, une fois qu'on passe l'ornière, c'est sur le 4 pieds et après on y va. Ok. Donc là c'est bien parce que là t'as vachement plus d'angle que d'habitude. Là faut que t'attendes 2 mètres pour te mettre assis. Ouais. Beaucoup plus tard. Ok. Là t'es penché et t'es bien devant. Excellent. Un peu plus serrer la jambe mais surtout un peu plus devant et attendre le dernier moment pour te mettre assis. C'est bon, ça c'est bon. Allez, on est reparti. Très bien, le coup d'embrayage c'est léger quand tu ressors. Si tu le prends à pleine main, en fait la moto la attend d'arrêt, après quand tu relâches, elle va mouliner. D'accord, c'est vraiment le petit coup de tac, pas besoin de faire plus. Il faut que tu arrives à synchroniser les freins avant avec la même position. Suivez-nous pour le parcours, une fois que vous revenez derrière la piste là-bas, on essaie de l'espace entre vous. Ouais, pour manger pas trop de poussière. Tac, allez. Aujourd'hui, tu as fait des choses comme le double abat, tu m'as demandé de le faire tout de suite, ça m'a surpris, donc c'est bien. Maintenant, il faut que tu arrives à refaire ça en course. Je pense qu'en course, tu veux largement te battre avec un jeune comme le Yanis. Tous les cousins là, Quentin, Hugo et un peu moins Lou. Quand vous revenez rouler ici, ça c'est la première chose à faire. Il faut rouler comme vous avez roulé, comme vous étiez avec vous. Okay. Surtout pas rouler comme ce matin, avant de venir. Ça c'est interdit. J'ai bien briefé Bruno, si vous roulez comme ça, il vous dégage du terrain direct. Ça marche? C'est pour votre bien que je dis ça. Je dis tout le temps, j'en passe beaucoup. J'ai l'air un peu couillon avec mes cheveux, mon tatouage et mon piercing. Et des mongols comme vous, j'en passe 2000. Je sais ce que je dis, quand il peut se passer quelque chose de grave, je le sais. À 100%. Et comme vous avez roulé après pendant les exercices, c'est propre, c'est efficace, j'aime bien, et c'est pas fatigant. Alors il faut réussir à rappliquer ça tout le temps. Ok? C'est pour vous que je vous le dis. Hein. C'est pas pour moi, moi je m'en fous. Hein. Je suis bien assuré, je n'ai aucun risque. Donc retravaillez le freinage du frein avant, bien vous mettre assis devant et sauter droit. Ça marche? Hugo? Bon. Ça va Lou, ça t'a plu? Oui.